Bonjour, bienvenue sur Info City TV. Assez rare pour être souligné, un temps d'échange entre les représentants agricoles d'Alsace et la préfecture du Grand Est. L'événement du jour était l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin et de leur président Yanis Balzer, avec la présence des principaux acteurs du monde agricole en Alsace, filières élevage, viande et lait, viticulture, tabac, les présidents de la Chambre d'agriculture, la CEA, la région Grand Est, des syndicats comme la FNSEA ou encore la présence du président des jeunes agriculteurs de France. Nous retrouvons l'équipe de Info City à la préfecture du Grand Est de Strasbourg. Quel était le but de la réunion du jour entre une préfète de la région Grand Est et le président des jeunes agriculteurs de France? Alors, le but de la réunion du jour, c'était surtout de venir à l'AG des JA du Bas-Rhin. C'est coutumier, on essaye de le faire tous les ans. Alors, je ne peux pas toutes les faire malheureusement dans ça, mais voilà, c'est l'occasion de venir au contact du réseau. C'est l'occasion aussi de venir expliquer ce que fait le national en continu. Depuis les dernières manifestations agricoles, quelles décisions vont dans le bon sens selon vous et quels sont les dossiers encore à traiter? Écoutez, les décisions qui vont dans le bon sens, c'est, je pense, les réunions qui ont été lancées de concertation dans les préfectures, qu'on a nous aussi dans les ministères. Vous dire à l'heure actuelle qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, peut-être les décrets curage, je pense, ou les annonces. Les taxes génèrent? Oui, la taxe génère. Après, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas avec ça qu'on va sauver l'agriculture. C'est un signal, mais c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il y a du travail qui se fait, il y a des chantiers qui sont ouverts. Après, je pense, comme ça a été bien dit aujourd'hui à l'AG, on y croira quand les agriculteurs le percevront sur les fermes. Le principal danger pour nous, les consommateurs, ne serait-ce pas justement le fait du départ de la retraite de près de 50% des agriculteurs dans les 10 prochaines années? C'est un danger pour nous tous? C'est un danger si on se retrouve plus que 200 000 et qu'on perd la capacité des 200 000 fermes qui faisaient de la production agricole dans ce pays. Donc oui, il y a un risque. Le risque, c'est la souveraineté alimentaire. Après, vous dire qu'on n'arrivera pas à la garantir si on n'en remplace que la moitié, je ne sais pas vous le répondre. Après, je pense que c'est des modèles qu'on remettrait en cause. C'est des territoires qui pourraient voir disparaître des structures agricoles, des entreprises agricoles. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu à soutenir ça pour le consommateur, parce que c'est la gage de qualité agricole française. Ma dernière question, auriez-vous un message à transmettre, une information à ajouter sur la réunion du jour et sur le futur à court terme des événements, des rendez-vous agricoles? Ouais, un message, c'est d'une à dire à tous nos jeunes agriculteurs qui continuent à croire en leur métier, qui continuent à le faire avec passion et à le défendre. Un deuxième message, ça serait de dire aux concitoyens français, soutenez vos agriculteurs par l'acte d'achat et achetez des produits qui viennent des entreprises agricoles de ce pays, parce que quand vous achetez français, vous êtes sûr que vous risquez rien en termes de normes sanitaires, en termes de sécurité alimentaire. Vous pouvez faire confiance à vos agriculteurs et puis à nos politiques. Ayez le courage de soutenir cette agriculture et dites-le haut et fort dans des médias. Toute dernière question, pouvez-vous pardon, nous présenter votre activité et puis votre région d'origine? Alors moi, je suis agriculteur dans le département du Doubs, en GAEC, avec un associé en production de lait à Comté et Morbier, une exploitation de 140 hectares et 620 000 litres de lait produit. Nous étions à la préfecture du Grand Est à Strasbourg à l'invitation des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin. Vos likes et vos partages sont les bienvenus. À bientôt sur Info City TV.